à zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Celui qui en avale doit doubler sa taille et sa force. Oui, celui qui l'a inventé l'a baptisé le super sushi. Et plus vite que ça, on traîne là. Non mais on n'est pas pressé enfin. Ah c'est toujours pareil, hein. C'est moi qui traîne et puis Mario lui, il se laisse faire, c'est pas fatigant comme ça. Ah non, ah non, non, il manquait plus que ça. Regardez, je sais pas, un tremblement de terre. C'est Goupasilla. Allez vous tirer dans des cases ou partez de cette ville. Dans peu de temps, je l'aurai détruite et écrasée. Elle ne sera plus qu'un souvenir. Oui, mais il faut partir d'ici. J'aimerais savoir de quelle façon Koopa est devenu aussi énorme. Ah, je crois qu'il n'existe qu'une personne qui pourra nous renseigner, c'est le savant local qui a inventé le super sushi. Allez, suivez-moi. C'est un honneur pour nous de rencontrer l'un des plus grands savants et en plus qui donne des sushis à tout le monde. Et c'est un honneur pour moi de rencontrer les deux meilleurs plombiers. Oh, pardon, professeur. Dites-nous, professeur, mais... de quelle façon Koopa a-t-il pu atteindre une taille pareille? Oui, je suis furieux, rien que d'y penser. Vous allez voir. J'ai heureusement pu tout filmer grâce à mes caméras. Ah. Oh, oh, ce sera sûrement le plus fort de tous les super sushis. Et en plus, j'ai toujours adoré le poisson. Quoi? J'arrive à temps à ce que je vois, alors donne-moi ça et en vitesse. Je savais déjà depuis longtemps que Koopa était aussi mal élevé que méchant, mais je ne savais pas qu'il mangeait aussi salement. Oh qu'il est vilain. Mais c'est de la folie pure. Tu as avalé tout mon super sushi. Tu vas devenir immense. Mais oui, et c'est justement le but de la manœuvre. En tout cas, bravo, c'est vraiment efficace. J'en sens déjà les effets. Je vais devenir le plus terrible monstre à avoir jamais détruit complètement une ville. Koopazilla. C'est ma faute si l'ignoble Koopazilla est en train de détruire Sayonara. Oh mon Dieu, Mario, il faut vite faire quelque chose pour sauver cette ville. Voyons, on ne peut pas laisser faire ça. Il se trompe s'il croit m'arrêter avec ses petits moustiques. Bon, finalement, c'est assez difficile de détruire une ville entière. C'est un vrai travail. Très franchement, je trouve ton plan très risqué. Peut-être que oui, mais je crois qu'il réussira. Pour l'instant, il faut trouver compagnie. C'est pas bien compliqué jusque-là, hein? Toutes ces démolitions et ces destructions ont fini par m'ouvrir l'appétit. Koopazilla, arrête une seconde et écoute ce que j'ai à te dire.
Tiens, mais on dirait les deux artistes de l'évier bouché et de la baignoire qui fuient. Je te conseille de quitter la ville tout de suite, ou bien tu vas nous obliger à te ridiculiser une fois de plus. Parce que vous croyez peut-être que j'ai peur des insectes. Oh non! Ça marche, oui, si ce gros nigo nous poursuit. Oh bah, on a vraiment de la chance. Et il nous rattrape. Allez, vas-y, accélère! Prends-toi. Voilà, ça y est, le filet géant pour capturer Koopa the Yeti en place. Oui, et on a vraiment fini de l'installer à temps. Regarde. Ah oui, je vais mettre Koopa the Yeti. Je vais vous écraser! On a réussi à l'amener juste là où on voulait. Toad, princesse, allez-y, lâchez vite le fil. Oui, on a réussi. Oh, vous allez le payer. Je vais vous réduire en purée de plombier. Y a pas de risque. Tu ne réussiras pas à te défaire de ce filet en acier. Rien ne peut résister à ma force gigantesque. Tu vas voir ça. Oh, ça alors, c'est incroyable. Il a réussi à se libérer. Il vaut mieux descendre d'ici pendant qu'on peut encore le faire. Je vais vous attraper. Vous ne me ferez pas deux fois ce coup-là. Mais je te l'avais dit que ton plan était risqué. Tu vois, il a filé. Oh, pour une fois que t'as raison, hein. T'as pas à le faire remarquer comme ça. Ah, arrêtez-vous une seconde, juste le temps de vous écraser sous mes pattes. Alors, grand chef, comment on va s'en sortir maintenant du métier? Ah, on se cache dans les égouts. Regarde. Dépêchez-vous, venez vite à l'abri. Allez, viens, Luigi, viens, viens, suis-moi. Oh, vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement, ça je vous préviens. On a eu tort de venir là-dedans, maintenant on est pris à notre propre piège. Moulou, tu vas voir ça. Attention, Mario. Ça va pas trop lui plaire, ça. Bon, très bien, ils l'auront voulu cette fois, pas de quartier. Je vais transformer cette ville en un champ de ruines avant de m'occuper d'eux. Oh, si personne ne peut arrêter ce monstre, eh bien je crois que ce sera bientôt la fin de Sayonara. Oh, ma dernière préparation de Super Sushi est enfin terminée. Alors venez vite me servir. Si je veux combattre Compasilla, il faut que je grandisse le plus vite possible. Et puis je dois l'avouer, je meurs de faim. Ah, je crois que ça se passera beaucoup mieux avec une bonne ration de spaghettis. Il est vraiment impressionnant quand il se met à table, vous trouvez pas? Il faut l'avouer quand même, non? Oh, c'était bon. Ah, regardez, il grandit déjà. Oh, non, 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 attendez, je viens juste de faire réparer mon laboratoire. Oh, il me fasse. On va avoir droit à un vrai combat de poids lourd. Ça me remonte le moral de détruire des quartiers entiers de la ville, surtout quand je pense aux habitants. Attends-moi, j'arrive. Oh non, c'est encore l'un de ces deux minables. Et il est devenu énorme lui aussi. Oui, on est à égalité maintenant, tous les deux, Koopasilla. Et on va pouvoir se battre. Mais comment tu fais, toi, pour être aussi méchant, aussi repoussant et aussi horrible? Oh, ça demande de très longues années d'entraînement. Oh là là. Voilà qui t'apprendra à te mesurer à Mario.
Mais attends une seconde, le combat n'est pas terminé. C'est toi qui regretteras de t'être mesuré à moi. Je vais t'envoyer manger tes lasagnes par la racine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les lasagnes, elles poussent pas. Fais attention à toi. Tiens. Comme ils disent ici, banzai. Bien essayé de ta part, mais c'est raté. Mario voulait sauver la ville de la destruction, mais il ne restera bientôt plus rien à sauver. Ça y est, c'est formidable. J'ai réussi, j'ai réussi. Mais réussi quoi? Je viens juste de créer l'antidote contre l'effet du super sushi. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Avec un peu de chance, maintenant, on va réussir à ramener Koopazilla à sa taille normale. Oh, chou les crues. Et bon voyage. Heureusement, cette fabrique de matelas a amorti le choc. Vous ne devinerez jamais où on a pu trouver cette énorme seringue qui doit administrer l'antidote. C'est vrai ça, d'où elle vient cette seringue? Eh ben, c'est l'enseigne d'une pharmacie. Bon, alors faites bien attention. Tenez-vous bien sur vos gardes. Et aussitôt que Koopazilla sera assez prêt, on lui injecte une forte dose d'antidote. Viens, je t'envoie un petit cadeau. Il est grand temps de te ramener à ton véritable niveau. T'aurais mieux fait de rester plongé dans tes tuyaux. Tu vas te payer très cher. Il ne faut pas le rater, c'est le seul antidote qui existe. On dirait que la ville grandit. Ah non, j'ai compris. C'est moi qui rapetisse. Voilà. Oh, toi, tu commences à m'énerver sérieusement. À chaque fois, c'est pareil. Tu fais tout rater. C'est exact. J'espère continuer longtemps comme ça. Ah oui? Alors là, je crois que tu rêves et je t'avertis qu'un beau jour, la chance tournera. Et alors là, crois-moi, je t'écraserai. Regardez, il va s'échapper dans une autre dimension. Mais c'est pas vrai, ils sont encore en fuite, c'est pas vrai. Peut-être bien, mais Sayonara est sauvé et il ne reviendra plus jamais pour essayer de la détruire. Je tiens encore à tous vous remercier. Oh, c'est très gentil à vous, professeur. À tous ces événements m'ont donné une feuille de loupe. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 ne mangez pas ça. C'est ma toute dernière invention. Celle-ci fait rétrécir. Et bien voilà. Mais partout les spaghettis. Mario est tout petit, on dirait une boulette de viande. Mario. Ah, vite, donnez-moi l'antidote. Je suis désolé, mais il n'existe aucun antidote. Vous allez être obligé d'attendre une semaine pour que l'effet disparaisse. Oh, bon, non. Bon, eh ben au moins maintenant, je me remplirai très facilement le ventre. Ah. Chez les plombiers, quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Yudi. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Bouffy. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est de l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Les Sapsons.